Attends, je prends une photo avec Aurélie et Pauline. La classe, si on n'a pas devant les fleurs, ça serait pas plus mal. Ça ferait plus joli devant la porte. Vous n'avez pas connu, hein? Excuse-moi, je n'avais vraiment pas connu. Ça va? Maman! Oui, ça va. Tu veux voir tes seins? Oui, je suis en train de peindre. Ah, il a dit. Tu laisses pas ça comme ça. Je vais porter sa fleur pour pouvoir partir. Mamie. Oh putain. Chut. Bouge pas. Je prends Véronique. Le vla. Ah, c'est bon, ça, le sac qui l'a. T'es beau. T'es moche. Tu peux prendre des photos avec... Hein? Ouais? Ça va, oui? Du même code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Il pourvoit à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement et les communautés de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation,
et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Je vous parle uniquement pour la maison commune Benjamin Francis Marie-Junet, agent de production et à Corbisson, 31 juillet 1983, domicilié à Corbisson, de Gambetta, fille de Patrice André Francis Dumont, dessinateur, et de Marie-France Morissette Rouault, agent de service hospitalier. Domicilié à Lehamel Somme, 16 bis rue de Village Bretonneux d'une part. Et Tiffany Arlette Palmira Cocu, aide-soignante, née à Amiens Somme le 2 septembre 1983. Domicilié à Moreuil Somme, 36 rue des Hirondelles, fille de Francisco Manuel Coelho, décédé, et de Véronique Isabelle Cocu, mère au foyer, domiciliée à Moreuil-Somme, 136 résidents des Hirondelles d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Palmira Cocu, consentez-vous à prendre pour époux M. Benjamin Francis Maurice Dumont? Oui. Tu peux répéter? Oui. T'es sûr? Monsieur Benjamin Francis Maurice Dumont, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Tiffany Arlette Palmira Cocu ici présente? Oui. Plus fort, Benjamin. Au nom de la loi, je déclare Mademoiselle Tiffany Arlette Palmira Cocu et c'est Monsieur Cocu, c'est Benjamin Dumont. Francis Maurice Dumont unis par les liens du mariage. Ah, bravo! Vous déclarez l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Thomas Lecain, sans profession, domicilié à Lehamel Somme, 3 rue du Tour de Ville, et de Laetitia Cocu, préparatrice de commandes, domiciliée à Bouillancourt-la-Bataille-Somme, 30 rue de l'Église, témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire là, les époux et les témoins ont signé avec nous Colette Beauvel, adjointe au maire de Moreuil, officier de l'État civil. Voilà, c'est par échange. Donne-moi mon appareil. Que je passe. Je peux pas passer. Vous avez procédé à l'échange de l'État civil. De toute façon, que je bouge le chien. Ben oui, je le sais. Thank you.
c'est plein l'appareil. Je sais pas tout ça. Ah non, dis-moi comment ça. T'as fait une photo, moi. Non, non, j'aurais pu. C'est là qu'il faut appuyer. C'est moi la prochaine. Ouais, ben on va voir. Hein. D'abord, accouche. Et après. Ouais. Maintenant, on fait les choses, chaque chose en son temps. Hein. Regarde ce que j'ai fait, Tata. C'est marrant, hein? Ouais, c'est joli. Oh, il faut qu'on donne ces cadeaux. Ah, oh, ouais, c'est beau. Là, tu filmes ou tu. Pas, je filme. Ah, je peux que tu regardes ce qu'il y a. De quoi? Hey Thomas, les mains dans les poches, ça se fait pas. Ouais, excuse-moi, mais là, après tous ces efforts. Ouais, une signature, c'est un gros effort. Ah, exactement. C'est Fanny Allison qui m'a coiffé. Ça y est, là, on y va. Un, deux, trois. Allons, enfants, la gourmandise. Merci et heureuse et longue vie aux mariés et beaucoup d'enfants. On est mal barré. Alors, gauche, à table de droite. Au revoir. Mange pas trop, Guillaume. Non, non. À droite, voir. Merci, ma gueule. Thank you.
c'est l'idéal. Et après, s'il y a des gens qui veulent les rejoindre, sans problème. Ils sont prêts? On n'attend plus que. Et c'est important parce que c'est eux qui ouvrent le bal. Après, c'est parti. Hein. Donc, on ne compte que sur eux. Alors, on y va. On peut les applaudir. Et il n'est pas interdit de les rejoindre. Hein. C'est vous qui allez chanter. Alors, vous êtes prêts? Hein? Bienvenue à ce mariage-là. Vous êtes prêts? On y va? 1, 2, 3. Bienvenue à ce mariage-là. Il y a Tiffany et Benjamin. On va s'en foutre jusque-là. Les invités sont cool et sympas. Dire la dada, Tiffany est une. Tu rêves. Et Benjamin. On les aime bien, ces amis-là. Ils nous laissent jamais dans le caca. La toute première fois.
sous les dents. Benjamin cherchait le tout. Il finit par crever le matelas. Ce soir, Benjamin se rattrapera. Et Tiffany en restera baba. Et alors tout le monde chantera. Bienvenue à ce mariage-là. Eh, bah, c'est vrai qu'on va continuer la soirée, c'est parti. Bip, bip. Un peu comme la température.
Et ils sont pas dans l'escarcelle, attention, 2 euros, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Allez, les garçons, faut se manifester, sinon je crois qu'on va se faire avoir. Hein. 3 euros pour Guillaume, ah ouais, mais là, attention, et là, tu la remontes, hein, les Lucien, ouais. Tu la remontes pour 3 euros, s'il te plaît, hein. D'accord. Là. Plus 2 euros, allez, gonzesse, là, je crois que vous allez vous manifester parce que. Et puis je vous assure que vous n'y permettez pas au champ, ça vaut le coup. Allez, tu remontes, il faut que tu bosses un petit peu. Hein. C'est un peu comme le thermomètre, ça. Un de mauvais élèves, t'es content de vous, hein, visiblement. Oh, les garçons, je crois qu'ils sont très attachés à cette jardinière. On remonte, on remonte. Ah, encore un petit garçon là-bas. Donc c'est le redonateur, c'est monsieur Anthony qui est le redonateur d'un euro, ça remonte toujours, moi je crois que les garçons, bravo, moi je dis que les garçons, il ne faut pas se laisser faire, il faut y aller, hein. Je crois que là on tient pour vous, parce que les filles sont un petit peu endormies. Là, 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 ça remonte, il y en a une là-bas. Là, attendez, ouais. Là on sait plus trop où on en est. Faut monter là. Ouais, faut monter vers le coup là parce que tu montes de 5 euros. Vous mettrez pour 5 euros de jardin s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Ah, attention, 1 euro, un garçon Anthony, le redonateur. Ah, je vois Guillaume qui. 2 euros. Une petite remontée de 2 euros. Oh, elle me semble qu'elle a redescendu. 3 euros pour les garçons, vous remontez pour 3 euros, s'il vous plaît, madame. Ah. Et les filles, prenez votre temps, je regarde la longue chambre, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. 2 euros pour un garçon. C'est bon, ça continue. Ah, je vais appeler Maître Collard parce que là, il y a un problème là. Pour les cartes bleues, les chèques, on accepte tout. Hein. Il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. Oui, je prends ma commission en passant parce que c'est pas là. Donc on en est où là? Donc on a rien, on est descendu là, les gars.